Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 et Pablo Zetes. Ouais, vous l'aviez reconnu, je pense. Hein. Donc, je change la casquette pour vous présenter un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop, c'est parti. On va surtout poser des gates. Yep, on va poser des gates. Ça va être mon premier, moi, petit parcours FPV race avec mon cher Pablo qui va me faire profiter de ça. Il passait dans le coin, il a 2-3 jours ici à Chaland. Donc, on va en profiter, on va aller sur un site et on va faire plusieurs petites choses. On va bien sûr faire du FPV, on va faire du race, on va aussi faire de la prise de vue. Moi j'emmène le Xiaomi Mi Drone, Pablo emmène son petit Anafi Parrot, donc je vous le présenterai vite fait, et puis on vous montrera surtout les images et le rendu que ça peut avoir. Et sinon, on a prévu un petit peu de matos de mon côté. 3 petits racers, j'ai le 200 GT, j'ai le petit montage que j'ai fait moi-même en 1080p, c'est un 5 pouces bien sûr, et le petit XJB145, ça... pour les drones. On part aussi sur le petit Dark Max également, sur lequel j'avais changé la carte de vol, qui normalement devrait bien voler. J'avais rajouté les petites LED, etc. On va voir ce qu'il donne en race. Et bien sûr, le matos que vous connaissez tous, le petit masque, la petite radio, les petites hélices en spare, les antennes linéaires et polarisées pour les différents types de drones, et la petite casquette ventilo pour le vol à vue, pour pas transgoutter des yeux, tout simplement. Donc... Là, on va rentrer dans le Pablo Mobile, on va aller sur le spot que tu connais un peu. Ouais. Et moi je vais te montrer tout le matos que je vais te faire tester du coup. T'as plein de trucs que j'utilise quotidiennement. C'est clair. Ça va être le contraste entre le matos qu'on utilise sur les courses versus le matos que toi tu utilises, qu'on voit pas souvent, mais on pourrait être surpris. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai envie de voir. Hein. De la chinoiserie, comme on dit, même si beaucoup de matériel vient de Chine. Tout vient de Chine, de toute façon. C'est juste une histoire de cahier des charges. T'as des marques qui veulent être haute qualité, d'autres qui veulent juste faire... Puis il y en a qui veulent vendre à pas cher et qui font des choses au moins cher. Et des fois, on se retrouve avec du bon matos comme HGLRC, David Zouarim, contrôleur d'Igrapa. David, je te fais un gros coucou. Prochaine réunion, j'espère que tu seras avec nous à la table. C'est quelqu'un que je kiffe bien. Un kill the spot, carrément. Donc voilà, écoutez les amis, je vais pas vous enquiquiner plus longtemps. On va se retrouver sur le site et j'espère que cette petite sortie vous plaira, ça change un petit peu. Ça y est, on est dans la Pablo Mobile, dans le petit Camtar. Et on est parti sur le site. Hein. Attention. Allez, elle a démarré. C'est parti. Ah, on a de la visite les amis, on a un rajon d'un. Mais c'est pas censé fuir. Bah si. Salut petit rajon d'un. Eh, ça fait flipper. Il va nous attaquer. Il nous a pas vu ou pas? Il en a rien à foutre. Rajon d'un. Bienvenue au zoo de Bonneval. On a le soigneur. Genre... Eh, hey, tu nous as vu ou pas, rajon d'un, là? T'en as rien à foutre? Coucou! C'est ça, hein, j'entends des bruits des fois quand je viens là. Oh la vache, il a pas peur, quoi! Impressionnant! Ça mord, ça, non? Ah ouais, ça fait mal, hein? Ouais, je vais pas l'emmerder, hein. Il est en mode petit goûter. C'est incroyable! Ah, c'est dingue! De tomber à côté, moi. All those nights lying by your side.
Donc là, Pablo me fait le plaisir de tester le Dark Max avec la batterie 5S. Ah non, mais j'arriverai pas avec Mince. Les gates. Faut pas, je peux pas passer les... Je peux pas passer les gates avec... Non, mais fais juste des folies freestyle en 5S. Donc Pablo voulait nous démontrer la résistance du Dark Max. Bon, bah apparemment, c'est bon. C'est parti. Bon, en tout cas, il y a bien longtemps qu'il serait déjà parti en deadroll avec l'ancienne carte. La lentille, elle défend beaucoup. Hein. Qu'est GoPro? T'es pas en GoPro là, gros. Non, je veux dire, t'es loin là? La lentille de la caméra TV déforme énormément. D'accord. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Ça me fait... C'est la lentille d'origine. Ouais, laisse tomber les gates. Oh, ça y est. Ça y est. Deadroll, et j'ai même vu une petite fumée. Non. Si, donc sur une grosse poussée de gaz, on est reparti sur un deadroll. Les ESC pour toi, hein. Non, t'as un moteur cramé parce que ça sent le moteur cramé. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est ça, c'est celui qui est un peu plus chaud. C'est lui qui est mort. Non, c'est qu'il y a eu une des synchros et le SC il a foiré quoi, il a envoyé n'importe quoi. Il est pas habitué à prendre ça dans le pif. Hein. Après c'est du 2500 PV. Ouais, c'est peut-être léger pour du 5S. Ouais, c'est un peu juste. Ouais, ça sent le moteur cramé. Ouais. C'est ça. Vous voulez sentir? Ça sent ou pas? Non, c'est
ou la carte de vol qui suit pas, elle envoie la mauvaise commande ESC, ou l'ESC qui a pas de protection et il a envoyé le courant sur les trois phases. Parce que jusqu'à maintenant, les problèmes qu'on avait, c'était des problèmes de dead roll, mais ouais, juste après, tu repartais quoi. Oui, mais ça c'est parce que l'ESC il fait une désynchro. Voilà. On pourra vérifier les réglages quand même. Pour moi, ça vient pas du moteur. Ça peut venir du couple carte de vol ESC, ouais, mais moi je privilégie l'ESC. Bon, arrêtez d'acheter le Dark Max, voilà, vous aurez moins de problèmes. Si, mais tu changes l'électronique. Ouais, bah oui, t'achètes le Dark Max et tu changes tout. Non, bah non, faut acheter autre chose. Ça marche. Ça crame pas. Hop là, je t'allume le ventilateur. Ouais, parce que j'ai chaud. Voilà. Et c'est petit, dis donc, au départ. Ça te semble petit ? Ça semble petit par rapport à mon masque. Et ouais, parce que c'est pas non plus les HD2, hein. Les ouais. HD2 ont plus de FOV. Alors moi j'ai un tout petit flou, bien sûr, puisque j'ai un problème de myopie à un œil, à l'œil droit. D'accord. Mais sinon, c'est assez propre, assez net. Mais j'ai une impression par rapport à mon masque de distance de l'écran. Et ouais. Tout simplement, ouais, il est plus par là, quoi. Et il est plus loin, il est beaucoup plus loin. Attends, je te remets à plat. Ouais. Tu armes pas, hein. Je touche à rien, quoi. Je te vois. Coucou. Alors voilà, ça c'est une machine de course, du scotch partout parce qu'il est dégueulasse d'herbe, et quand la session est finie, t'enlèves le scotch, il est tout propre. D'accord. Allez, alors, pour armer, ouais, tu te souviens? Je pense que c'est le grand qui est ici. Le grand. Voilà, et ici tu le baisses à fond, voilà, ça y est. Là t'as les gaz déverrouillés. Ok, c'est parti. Alors déjà, c'est hyper plus propre. Bon, j'ai ma petite myopie, hein. Donc j'ai quand même un léger flou, mais je sais d'où ça vient. C'est sûr, il faut s'équiper de lentilles adaptées. Mais l'écran est beaucoup plus propre que mon masque. Ça, il n'y a pas de souci. Je pourrais pas faire de les flags, je les vois beaucoup mieux. Les gates, je les vois beaucoup mieux. Normalement, ils se détachent beaucoup de l'arrière-plan. Carrément, c'est presque un 3D. Non, mais. Quand je passe à côté, moi, j'ai vraiment l'effet 3D par rapport à mon masque où tout est linéaire, quoi. Tu ouais, vois, c'est ça, tout plat. C'est un peu flou, tout plat. Non, il n'y avait pas photo. Là, en fait, le OLED est beaucoup plus précis sur les différents pixels. Par exemple, quand tu as une ligne, une arête, qu'à gauche de l'arête, tu as autre chose, par exemple de l'herbe, ben, ça va bien détacher l'arête de l'herbe. Ouais, et c'est bien pour le placement. Même les arbres sont beaucoup plus propres, les feuilles. Tu vois à travers les petites branches, normalement. C'est-à-dire que quand... Oh merde. Des armes. Ici, attends, voilà, c'est bon. J'ai toutes les deux. Ok, t'es dans l'arbre. Oh merde, j'ai pas mis... C'est qu'il y a vachement de pitch. Et en fait, moi, avec ma vue sur mon drone, ouais, coup de gaz, je suis passé au-dessus. Eh oui, mais moi, ça t'envoie vers l'avant. Tellement de pitch que... Bah en fait, si tu veux... Non, pas de souci, il a rien. Hein. Faut juste qu'il tombe pas dans la flotte, là, je crois, c'est ça. Oh oui, il doit y en avoir beaucoup. Là. Tiens, à toi l'honneur. Ah merde. C'est bon. Ouais. Ouais. Forcément, tu filmes. Bah ouais. Ouais, c'est malin. Bah ouais, bien sûr, faut montrer la réalité, hein. Bien sûr. En tout cas, super propre, même si c'était pas très très long. les HDO, c'est impressionnant. Ah autant ouais, j'étais pas du tout à l'aise avec les HD2. Ouais, c'est flou. Ouais. Ouais. Oh putain, Marcel. Le Ragonda. Ah, j'aime pas Marcel. Ouais, ils sont peut-être plusieurs, hein. Peut-être pas. C'est peut-être Jean-Jean. Il nous a suivi pour voir ce qu'on faisait. Eh bien en fait les HDO, elles ont 10 degrés de fauve de moins que les HD2. Ça c'est le truc que ouais, je sais, 10 ou 12. C'est ce qui t'a fait peur au départ. Ouais, pour moi c'était pas possible, parce que même les HD3 j'aimais pas. Sauf que les HD3 elles apportaient rien. C'était comme un HD2 mais en moins de fauve. Et là les HDO, non, ça apporte beaucoup. C'est net. Ouais, c'est le OLED. Là si tu mets mon masque, tu vas avoir l'impression que c'est une télé des années 40. Ah mais moi je connais très bien ton masque, hein. J'en ai eu plein, hein, des trucs comme ça. C'est hallucinant. À mon niveau, le masque suffisait. Ouais. Maintenant que j'ai testé, j'attends les... Je t'ai pas rendu service, hein, parce que tu vas savoir ce que c'est des je bonnes lunettes. Je vais savoir les attitudes V4. Bon, ça va déjà. Déjà, j'aurai une meilleure sensation. C'est ça. J'aime pas qu'on filme quand j'ai pas ma casquette. Hein. J'ai taxé. Ah. Eh, ça s'appelle taxer les casquettes à Taz. Je m'en fous, je te prends de la casquette à Pablo. Voilà, casquette à Pablo. Voilà, la classe quand même. Voilà. Tu veux essayer le Clearview ou pas? Allez. Alors un autre petit test vite fait, Pablo va me montrer la puissance du Clearview en fait, ce système qui permet de perdre beaucoup moins, pratiquement pas les images, même quand on n'a plus la réception, il va le refabriquer, c'est compliqué, Pablo serait plus costaud que moi pour vous expliquer. Ouais, j'ai une vidéo qui l'explique. Mais oui, en plus il y a une vidéo qui explique, ça refabrique l'image de façon à pouvoir avoir quelque chose même si vous êtes hors de portée. Là Pablo va passer
passer hors de portée, on va dire derrière les arbres là-bas, puis certainement derrière cette grosse rangée d'arbres là-bas qui est à peu près à une centaine de mètres, et normalement on devrait perdre la réception. Donc je vais enregistrer avec le masque, moi, avec le DVR, et comme ça on aura en même temps la différence. Est-ce qu'on peut le remonter un tout petit peu? Voilà, super. On est pigmenté sur ton Clearview, hein. Ah ouais, tu perds tout là. Et toi? Moi, rien. Sérieux? Sérieux. Après, j'ai une antenne très directive, hein, tu vois. Là, c'est propre. Après, sur le côté, c'est normal, mon antenne a été orientée du mauvais côté. T'as les mêmes images que le Clearview dans le masque? Alors, pour l'instant... Là, le Clearview est hyper propre, hein, mon masque est perdu. Là, j'ai... Alors, ça y est, c'est revenu. Alors, je vais... Je perds. Ouais. Ah, tu perds aussi. Oui, mais moi, je vois encore l'horizon, tu vois. D'accord. J'ai quasiment plus... Moi, j'ai des parasites, hein, c'est tout. Ça y est, on est revenu. Ouais, c'est dangereux ce que tu fais, dis donc. Je suis en 25 mW aussi. Ah, en plus ? Non, mais je te dis, j'ai vraiment confiance au Clearview, étant donné que même si je perds... Ah non, moi je vois plus rien au masque, hein. Et toi, on te voit encore. Hein. On devine, c'est sûr que c'est pas beau. Hein. Non. Mais... Non, mais au masque, t'es perdu, quoi. 25 mW avec une antenne de course qui a été fracassée. Tiens, on va se passer là, là... Là on voit pas bien, mais j'arrive à piloter encore. Plus de télémétrie. Télémétrie retrouvée. Même la radio, c'était limite. Ouais, elle va pas trop loin, faudrait pas tiens, le perdre. C'est une sorte de terrain de cross, ça, c'est ça? Ouais. Tiens, on va faire un tour de circuit. Faudrait pas que tu perdes le drone là-bas, hein, c'est non, chiant. Non, 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 je vais pas le perdre. Ouais, ouais. Hop là. Ah ouais, le masque, on perd sans arrêt. J'ai plus rien. En fait, il reconstruit, c'est que le peu qui reste, il te fait quelque chose que tu vois à peu près où est le sol, où est les arbres. Ah ouais, carrément, puis les glitches sont pas les mêmes. Non, moi, c'est des grosses parasites, alors que toi, c'est une atténuation, une neige. C'est une neige, en fait. Et alors voilà. Ah, carrément. Passe le long de la ligne d'arbres là-bas, derrière. Derrière nous? Ouais. Alors, vu que l'antenne est directe. Ouais, mais il y a la route. Non, non, tu longes les arbres, ouais, en fait. Et t'as vu, regarde, mon antenne directive, elle est pas bien placée, il faudrait l'orienter du bon côté. Ouais, toi t'as un peu de neige, mais tu perds pas. Ouais, non, on perd pas, là. Toi, en fait, toi, tu captes bien, ça? Ça va, ouais, j'ai quelques glitches, mais c'est assez propre. Bah, là, j'en ai beaucoup. Ouais, moi aussi. Moi, je perds tout. Ouais, c'est revenu. Mais j'arrive à piloter encore avec Mais ça. C'était flagrant sur la distance que t'as pris tout à l'heure. Hein. On fait du cruising. Ouais. Fais gaffe qu'il n'y ait pas une branche qui dépasse. Tu vas faire du cruising. Ouais, du cruising là, ça dépasse, là. Ça dépend, ça dépasse. Allez. Ouais, c'est énorme. Hein. Donc, on n'aura pas le DVR de l'écran de Pablo. Ouais. Mais je pense qu'on verra un peu. Et puis je vous dis, c'est vraiment... Bam ! Allez, en live. Merci, Pablo, pour ce crash. Merci. Ouais, donc grosse différence quand même, hein. Le Clearview c'est énorme avec la distance là-bas, le circuit, bah, vous le verrez sur le DVR, on voyait plus rien avec le masque. En fait, ça augmente pas ta portée, ça augmente la partie où, là où t'as des grosses bavures, moi c'est pas fatigant, on voit encore un peu les formes, etc. Carrément, ouais, c'est carrément énorme. On va chercher le canard. Vas-y. Petit test du 200 GT par notre ami Pablo, c'est parti, je lance un DVR en même temps. Là, t'as pas touché au réglage d'origine, hein? T'es dépaydé un peu? Oui, j'ai rajouté de la rate un peu en PID, mais j'ai pas touché les autres réglages PID. Le P, le... Non, tout ça, j'ai pas touché. T'as pas assez de P, en fait. Bon, c'est pas grave. Là, on y va, on va voir. Je trouve que le rapport poids-puissance, il est intéressant. Ouais, il est hyper light. Ça, c'était rate, ça. Ok. Wow, ouais. T'es passé au rat. Ah tu m'as fait peur là. Oh. Ah ouais, bah ouais. J'allais pas passer dans la... Ah ouais, je veux pas que tu le casses celui-là. Je regardais. Oh la vache. Ok. T'es passé à 20 cm de l'herbe. Mais ouais, il a un rapport... Il est vraiment spécialement freestyle, hein, celui-là. Au niveau rapport poids à puissance, il flotte bien, il envoie bien. Sensation de légèreté importante. Ah ouais, puis là c'est des petites 750 mAh en 4S. Donc t'auras moins d'autonomie si tu pousses dans les angles, hein, bien sûr, mais... Ouais, c'est chouette. C'est chouette? Ah ouais, c'est pas mal. Ah, merci Pablo. Si
C'est juste que je pense qu'il faut changer les hélices. Ouais. Elles sont mauvaises. Hein, c'est... Ouais, ouais, c'est les props de. C'est les stocks. Hein. Elles sont très. Elles font plein de déchets. Et il faut toucher un peu au PID. C'est pas super bien loqué. Alors ça, je suis encore pas propre là-dessus. Hein. Tu vois, en gros, il est un peu flottant, il est un peu mollasson. Ouais, bah tu sais, moi en freestyle, je me rends peut-être moins compte que toi. Puis t'as plus l'habitude. Hein. Oui, oui, de toute façon, il faut beaucoup de temps pour vraiment sentir. Bon bah bonne nouvelle les amis, hein. Notre ami Pablo apprécie le petit 200 GT. En fait on a vraiment du mal à sentir que c'est un petit machine. Ouais ouais, rapport à son poids ouais, ils emmènent bien. Poids puissant c'est bon. Ouais, c'est les hélices qui sont très très mauvaises. Allez, on va se poser. Bah après t'as attaqué le bip mais si tu ralentis il t'en reste encore je pense. Ouais. Ouais, tu m'as fait peur. J'ai dit. Waouh, ouais, tes raids sont dangereux. Oh, je sais pas comment tu fais. Bah, t'es en vitesse 3, tu peux mettre en 2 et en 1. Hein. Non, c'est bon. J'avais pas envie de me faire piger. Hop, on se pose, j'ai rien cassé. C'est là, t'es dessus. Ouais, non, mais je veux dire. Ah oui. Ouais. Hop là. Ouais. Hein. Donc, bonne sensation. Ouais, il est pour le rapport pas puissant, c'est bon. Hein. Ouais, sympa. Hein. Je pense que les hélices c'est très mauvais, ça se sent de fou. Ouais. Les PID un petit peu, il faudrait monter le P je pense et il serait un peu plus verrouillé, un peu moins flottant.
Alors t'en as pensé quoi? Ah, c'est un petit monstre, c'est impressionnant quoi, ça part tout de suite, même s'il y a pas autant d'allonge, enfin... Il a moins d'allonge. Il a moins d'allonge qu'un 4S des fois, mais ouais, la puissance, tu la sens direct dans les sticks quoi, dès que tu touches à quelque chose, waouh, ça part direct quoi. 6S Power. Alors donc, comme Pablo, c'est un gros flippé de la vie du zoo de Beauval, il a peur du ragondin, et il essaye de le faire fuir avec un mât, et en fait, le ragondin, il s'en fout, il va jouer avec quoi, regarde. Le ragondin cherche des amis. Ils sont top. Ah mais il est hyper gentil, ça se trouve quoi. On risque rien. Eh mais je sais bien qu'on est chez toi mais... Tu crois qu'il va nous attaquer et nous dévorer et nous mettre en lambeaux? Non mais je comprends pas, j'arrive même pas à l'ennuyer pour qu'il s'éloigne. Non, il s'en fout. Mais t'es sérieux là? Bah ouais, c'est l'heure de la bouffe hein. Oh là, c'est chaud. Pousse-toi s'il te plaît. Ah bon, ok. Après s'il nous emmerde pas... Ouais mais... Ouais t'as peur. C'est ouais, ça. C'est un ragondin quoi. Ouais, c'est un ragondin, c'est pas non plus un tyrannosaure quoi. Franchement, je peux pas voler si toi tu surveilles pas un ragondin. Ah, si tu sens un truc poilu sur tes tongs, c'est pas moi. Yep, les amis, bon bah comme vous voyez, tout est remballé, tout est rangé. Donc si vous faites ça, si vous allez sur des sites, si vous volez, pensez-y, respectez, ramassez tout ce qui traîne, un bout de plastique, un bout de batterie, un bout de quoi que ce soit. Essayez de rien laisser traîner, s'il vous plaît. Respectez si vous voulez qu'on vous respecte. Bon Pablo, j'ai kiffé. J'ai faim. T'as faim? On va manger? Ouais. Bon bah on vous laisse là-dessus les petits loups, nous on s'est bien amusés, j'espère que les petites images qu'on vous a mis, bah vous plairont. Je vais voler des images à Pablo, puis je vais peut-être lui en donner aussi, et on va se faire un petit mix. Allez, à bientôt dans nos vidéos. Ciao. Ciao, ciao.